YouTube, aujourd'hui un petit Bob Marley, histoire d'avoir autre chose que du rock, de la pop et du folk. On a 1, 2, 3, 4, 4 accords, voire 5, et un petit riff. Voilà, on voit ça tout de suite en détail. La main gauche, les accords, la main droite, la rythmique. Alors, la main gauche commence en entrée par un petit riff qui donne ça. Comme un peu, j'ai du bon tabac au début, bon. Alors, troisième case de mi. Troisième case de mi, le la vide. Deuxième case du la. Et re. Troisième case du mi. Voilà, avec bon, la position plus classique. J'utilise le majeur et l'annulaire, parce que c'est le deux doigts qu'on va retrouver sur l'accord qui suit, qui est un do majeur. Troisième case de la corde de la. Deuxième case de la corde de ré. Première case de la corde de si. Sol, la, si, sol. Ensuite, do, basse, si. L'index ne bouge pas. Le majeur, lui, va se retrouver sur la deuxième case de la corde de la. Ensuite, la mineure, pareil, l'index bouge pas. Donc, do, do, basse, si, et la mineure. Donc, la mineure, deuxième case de ré, deuxième case de sol, première case de si. Et ensuite, fa majeur 7. C'est-à-dire qu'on peut gratter jusqu'au petit mi sans... En fait, le fa majeur devrait être comme ça. Donc, si vous arrivez à faire le petit barré sur les deux premières cases des cordes aiguës, bon, bah, ça le fait. Autrement, vous faites une petite diagonale en partant de la corde de si. Donc, première case, deuxième case de sol et troisième case de ré. Voilà, un petit escalier, une petite diagonale. Et on repart donc le riff. Si, do, basse, si, la mineur, fa. Voilà. Maintenant, pour les grades de main droite, bah c'est simple, on va faire bon, le riff. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. C'est là-dessus qu'il ne faut pas se paumer. C'est donc. On peut faire tourner ça en boucle plusieurs fois jusqu'à l'arrivée du refrain qui donne on repart du do 4 fois 1, 2, 3, 4. Alors comment j'ai fait ça? J'ai gratté 4 fois le do 3, 4, je me suis placé en fa majeur 7 là, la petite diagonale, je gratte une fois, après je vais faire remonter le majeur sur la deuxième case du ré. La mineur 7. Après, j'enlève carrément le majeur, il reste plus que l'index. Et je repars en do. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, de préférence, pour que ça sonne bien, essayez de gratter quand vous faites le riff de fin, là, No Woman, No Cry. Ces trois cordes là, les cordes de Ré, Sol, Si. Pour vraiment avoir. Et ça fait hyper joli. Voilà, on retrouve le plan large, je vous refais ça une fois en entier, et ce sera bon. Ok, alors je vous le refais tout du début, et je fais une seule boucle de couplet, on va dire, et j'enchaîne directement sur le riff de refrain. L'entrée. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Sol majeur. Le sol majeur, c'est troisième case de mi, deuxième case de la, troisième et troisième case des deux cordes aiguës. Ce qui donnera un truc comme ça. Voilà. Une toute dernière fois, j'enfile tout à la suite. Un couplet, le refrain et le pont de la fin. 'Donc c'était le Bob Marley du jour. Bonne gratouille, jouez bien, à bientôt. Ciao.